Alors je suis Patrick Balkany et donc mon objectif est de partir de ici, l'Union Européenne, et de ramener mon argent un peu sale parce que j'ai fait des mauvaises choses, mais voilà, c'est l'argent du contribuable que je vais récupérer. Et donc je dois aller le déposer au Panama ou à la Société Géniale, et on doit planquer notre argent parce qu'il y a l'administration fiscale qui peut nous choper. Et ils peuvent nous fouiller et s'ils trouvent l'argent, voilà. Donc le plan. Mais pire que ça, il y a des citoyens engagés. L'astuce. Ayez un petit peu d'argent. Caché partout. Non, voyant. Et dès que vous faites contrôler, proposez un petit billet. Et le gros. Et le gros dans la chaussette. J'avais pas pensé. Ouais, corruption, ça marche très très bien. Ça marche très. Non, mais vraiment. Bon, on a Cahuzac avec nous quand même, c'est le champion Cahuzac. Je lance mon argent, top niveau. On les a mérités ces milliards, ils sont à nous. Ils ont qu'à bosser s'ils veulent se payer un costard. Exactement, il y a un moment les pauvres, hop là, oh. Ne payons plus d'impôts, stop nos impôts. Allez, les amis, c'est parti. Balkany, président, Balkany, président. Là, tu les fouilles. Ah, bah alors c'est quoi ça? Hein? Madame. Pour votre argent à Panama. Il est là. Allez, 30 secondes là. Non, attends, mais où est-ce que t'as planqué? Oh, Robert! Alors l'épreuve ne sert à rien dans ce monde. L'épreuve a des pièces à conviction. Où est la société Mossack Fonseca? Ah bah voilà. Voilà où est la justice. Oh non, pas égolade. Ah mon dieu. Ah mon dieu. C'est des sacs. Et que l'État me prend, j'ai rien moi. Je suis pieds nus. À Panama, ça rapporte beaucoup. Placez votre argent à Panama. Ça rapporte énormément. Ça pour les Français, parce que normalement ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue, le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, il a été 15 ans au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises.